Il y a quelqu'un en prison pour qui vous avez beaucoup d'admiration. Vous lui avez même donné le nom de votre fils. Je parle de l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana. Est-ce que, avant de prendre cette direction, vous avez eu des échanges avec lui? Et quelle a été son impression par rapport à tout ça? J'ai beaucoup d'admiration avec lui. Il est l'homonyme de mon unique garçon. Mais vous savez, dans la vie des hommes, il y a des moments où il faut prendre la décision. J'ai eu des discussions franches avec lui. Si j'ai accepté de lui donner le prénom de mon enfant, c'est parce que j'ai cherché à le connaître. Notre histoire est très ancienne. Il m'a convaincu. Quand lui, il était opposant, moi j'étais avec le président Alpha Condé. Et quand moi j'étais opposant, lui il était avec le président Alpha Condé. Cela n'a pas cassé notre relation. Donc ce que vous voyez aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous avons entretenu des relations dans des positions différentes. Et ce qu'il m'a toujours dit, entre moi et Dieu, quand il était opposant, j'étais avec Alpha. Quand je venais le voir, il dit qu'il faut être toujours loyal. Quand il promet, il faut réaliser. Mais honnêtement parlant, je ne devais pas le dire, mais vous m'obligez à le dire. Je suis allé le voir un jour. J'ai dit, mon frère, moi vraiment, je voudrais maintenant aller m'exiler et rester en Europe pour un temps. Il a dit, je ne partage pas ça. Il dit, vous êtes tellement important dans ce pays, il ne faut pas que vous vous soustrayez au moment où le pays a besoin de vous. Je vous interdis de partir. Restez, vous allez construire le pays avec ceux qui veulent construire le pays. Donc voilà, je n'avais plus besoin de lui poser autre question. Parce que sur le principe, il a mis l'intérêt du pays et au-dessus de ma tête et au-dessus de sa tête.